que j'ai pas envie d'être la risée de tout le monde et je veux réussir. J'ai besoin d'une leçon de séduction. Je voudrais être une femme parfaite. Voilà, j'ai besoin d'une leçon de séduction. Je voudrais être une femme parfaite. Est-ce que je peux vous montrer comment je fais à la maison? Ça va pas être terrible. Je vais vous dire tout. On arrête, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non. On tire tout doucement sur la ceinture. Et voilà. Et ah oui. Voilà. Ah oui, ça calme. Le petit éléphant dans un magasin de porcelaine hein, pour le moment. Oh Jean-Pierre, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas raccord. Rendez-vous maintenant pour non, la gym là. Attendez, là je suis dans la luxure, la beauté, d'accord? Tu viens avec moi ou pas? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je me sens très bien ici. D'accord. Oui. On aura voulu, mais écoute, on se reverra bientôt. Oh, mais quand vous voulez. Quand vous voulez. Je connais votre téléphone. Merci. Doucement, au bord de chaise. Vous soyez vraiment au bord de votre petit cœur. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Oui, évidemment. On lève délicatement la jambe. Ah, oui. Et on la pose sans l'écraser. Oui, parce que là, évidemment, ça ferait. Jamais, sans, voilà. Jamais. On n'écrase jamais une jambe. Et on pose les mains délicatement. Un petit regard à droite, un petit regard à gauche. Et on est au top. Annie et Fasti, je ne peux pas être au Crazy Horse, le temple de la beauté, sans vous poser quelques questions justement, ma sœur. Comment on obtient un corps comme le vôtre? Personnellement, beaucoup de piscine, beaucoup d'exercices dans l'eau, parce que ça affine énormément la ligne. La danse fait qu'on a une posture naturelle. Naturelle. Moi, je fais beaucoup de yoga, du hatha yoga. Hatha yoga. Donc c'est quoi? C'est beaucoup de maîtrise, beaucoup de. On va chercher dans le corps. Du coup, on travaille aussi des exercices de gainage. Donc vous travaillez la force mentale, la force physique. Voilà, c'est pour que le corps et l'esprit ne fassent qu'un. Est-ce que c'est vrai que vous avez une pesée? Ah oui, toutes les semaines, tous les samedis. Donc comme un athlète de haut niveau. C'est ça. Et si par exemple vous prenez quelques kilos, comme j'ai tendance à faire de temps en temps? Ça se passe très mal quand c'est comme ça. C'est quoi? C'est la fessée? C'est une mise à pied? Comment ça se passe? Non, là, c'est mise à pied. Mise à pied. Jusqu'à temps qu'on redescend sur notre poids de contrat. Et donc là, c'est fini. On rigole plus. On n'a pas le droit à 2 kilos de plus, ni 2 kilos de moins. Oui, parce qu'à l'inverse, c'est vrai aussi. Voilà. Que si vous creusez trop, j'imagine. Voilà, on voit les côtes, les os et tout ça, c'est pas. La femme aussi est une femme voluptueuse. En fait, j'ai un deuxième palier de stagnation, c'est-à-dire que j'étais à moins 6 kilos. Mon corps, bon, j'ai très vite perdu ces 6 kilos. Aujourd'hui, je suis à moins 10 kilos. Il se trouve que pour moi, symboliquement, 69 kilos est un poids dans lequel je me sens bien, réellement bien. Sauf qu'attention, j'ai un défi avec vous-même. Je pense que ça me colle véritablement beaucoup de stress. Je vous ai adoré avec la perruque du Crazy Horse. Est-ce que vous seriez prête à une petite transformation capillaire? Coupez un petit peu votre belle chevelure, qui va vous donner un petit peu plus de légèreté dans votre transformation actuelle. Je vous aime bien, Céline. Vous avez une bonne tête. C'est oui, ça marche.